Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes ravis et heureux de vous avoir parmi nous. Pendant ce temps que nous voulons passer notre culte au pied de Jésus de ce jeudi, nous voulons élever premièrement le nom de ce Dieu. Je dis bonsoir à vous tous qui êtes là et que Dieu vous visite partout où vous êtes. Que Dieu vous fasse du bien. Nous sommes heureux de vous retrouver, peuple de Dieu. Heureux de savoir que nous sommes ensemble. Heureux de savoir que nous sommes dans la présence de celui qui vit. Heureux de savoir que nous sommes là pour expérimenter la main de Dieu. Heureux de savoir que chacun de nous, nous vivons une grâce particulière. Heureux de savoir que pendant ces moments, Dieu veut nous parler. Nous sommes dans notre prière spéciale de ce mois d'août qui a pour thème la maturité spirituelle. Je vais d'abord prier. Merci à vous tous déjà. Ce que je vais vous demander, c'est de partager cette vidéo autour de vous et surtout veillez interagir. Aimez pour que la vidéo soit gardée sur Internet et pour que ça fasse du bien à quelqu'un. Invitez vos amis pendant ce temps. Invitez ceux que vous connaissez. Faites en sorte que la parole de Dieu puisse atteindre un grand nombre. Participez à ce geste qui est une évangélisation. Bonsoir à vous tous. Je lirai vos commentaires à la fin et je vous répondrai à la fin. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, nous te disons merci parce que tu nous as encore une fois de plus amenés dans ta présence au pied de Jésus où nous voulons prendre un temps pour expérimenter ta parole, ta grâce. Père, nous te disons merci parce que tu nous as énormément fait du bien. Toi qui as accompli ta volonté en manifestant ta puissance, grandeur, ta puissance. Et à nous donner notre Dieu de pouvoir vivre et expérimenter tes bienfaits. Père, merci encore une fois de plus pour l'assemblée Jésus-Christ, soleil de la vie, à qui tu as rendu la possibilité, à qui tu as donné la possibilité, la disposition de s'approcher de toi. Nous sommes là encore une fois de plus. Et fais-nous du bien. Nous voulons expérimenter des grandes choses avec toi, vivre des merveilles choses avec toi, l'éternel Dieu. Bénis tous ceux et seuls, notre Dieu, qui sont déjà là sur Internet. Bénis chacun de tous ceux qui vont nous rejoindre, même ceux que nous regarderons en différé. Que tu leur fasses du bien. Glorifie-toi dans nos vies et manifeste ta puissance parce que tu es le roi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Yes, Jésus, tu es là présent parmi nous, Emmanuel. Alléluia. Oh, Emmanuel. Avec nous, Emmanuel est là. Emmanuel.
avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Seigneur, nous venons te louer, t'adorer. Nous venons saluer notre Dieu, ta présence, parce que tu es le roi. Nous venons saluer ta présence parce que tu es l'incomparable Dieu. Nous venons saluer ta présence parce que tu es le roi, le rocher. Nous venons saluer ta présence parce que tu es digne. Nous venons saluer ta présence parce que tu es grand. Nous venons saluer ta présence parce que tu es puissant. Toi qui accomplis de grandes choses. T'élever et t'adorer notre Dieu pour nous avoir gardé durant toute la journée notre Dieu depuis que nous sommes levés le matin. Tu es avec nous, Père éternel. Et nous voici encore dans ta présence. Tu viens te manifester puissamment, notre Dieu. Nous t'élevons, nous t'adorons, les rois, nous t'adorons. L'incomparable Dieu, nous te magnifions, Jésus, parce que tu es le véritable Dieu. Le seul Père, le seul Seigneur, le seul Créateur qui mérite la louange, l'adoration de son peuple, qui manifeste sa puissance, qui agit, qui accomplit de grandes choses, qui opère tout ce qui est à son pouvoir pour nous accorder la grâce. Nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons, toi qui es digne, nous t'élevons. Toi qui es le seul, l'incomparable Dieu, nous t'élevons Jésus parce que tu es bon. Et nous t'élevons notre Dieu dans nos vies, dans nos familles. Nous t'élevons dans l'assemblée Jésus-Christ, soleil de la vie. Même pendant ce temps, notre Dieu, où nous sommes en train, notre Dieu, nous entretenir avec toi, Père éternel. En ligne, notre Dieu, mais nous savons, Père éternel, que toi tu es présent là où on t'invoque, là où on t'appelle, là où, Père éternel, on proclame ton nom. Tu es là, notre Dieu, pour nous faire du bien, pour accomplir ta volonté, pour manifester ta puissance. Nous t'élevons Jésus, nous t'adorons parce que tu es le roi. Bien-aimé, lève ta voix là où tu es. Tu vas demander pardon à Dieu. Si jamais tu as fait quelque chose de mauvais, que Dieu te pardonne. Seigneur Dieu, nous venons devant toi. Nous nous approchons, notre Dieu, de toi. Nous nous approchons, Père éternel, de toi, le Dieu fidèle et juste, qui peut nous pardonner, notre Dieu, nos péchés et accomplir sa volonté et sa grandeur. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que c'est toi qui nous fais du bien. Nous te demandons pardon, notre Dieu, parce que nous avons péché contre toi d'une manière ou d'une autre. Mais toi, dans ton amour, tu as bien voulu, notre Dieu, nous manifester ta volonté, Père. Pardonne-nous, pardonne chacun de nous. Lave-nous, purifie notre Dieu, Père éternel, de tout péché, de toute iniquité. Lave-nous, purifie notre Dieu, de tout ce que nous avons fait, notre Dieu, qui n'a pas rencontré, notre Dieu, ta volonté. Nous avons fait des choses qui n'étaient pas dignes. Nous te demandons pardon, pardon pour nous-mêmes. Pardon pour nos membres de nos familles, pardon pour nos enfants, pour nos conjoints, pardon notre Dieu, pour toute personne autour de nous, pardon pour tous les membres de l'Église, Jésus-Christ, soleil de la vie. Pardon notre Dieu parce que tu es le seul qui peut nous remettre notre Dieu dans les bons. Nous ne voulons pas que ce temps puisse notre Dieu nous être raté, mais plutôt que nous puissions bénéficier de ta grâce, Père éternel. Pardonne-nous parce que tu es le véritable Dieu. Pardonne aussi, notre Dieu, nos ennemis. Pardonne ceux qui nous combattent, ceux, Père éternel, qui nous en veulent, Père éternel. Pardonne-leur aussi. Pardonne les membres de nos familles, même ceux, Père éternel, qui sont hostiles à toi, qui sont rebelles. Pardonne, notre Dieu, chacun, notre Dieu d'eux. Fais-nous grâce, Père éternel. Accorde-nous la grâce de pouvoir expérimenter tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est toi le véritable Dieu, le seul et l'unique, qui est capable d'opérer et de manifester ton amour infini au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas demander au Saint-Esprit de pouvoir remplir l'Église, de remplir la vie de chacun de nous, qu'il puisse nous faire du bien, qu'il puisse manifester sa puissance, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit nous témoigne la grandeur de l'Éternel pendant ces instants parce que nous en avons besoin. Élevons nos voix. Tendre Père, nous sommes là. Nous te demandons, Père, de nous envoyer ton Esprit. Ton Esprit Saint qui est capable de nous amener dans une autre dimension. Ton Esprit qui est capable de nous amener, notre Dieu, dans la hauteur, Père éternel. Et de nous amener, notre Dieu, dans la profondeur. L'Esprit de vérité, c'est de lui que nous voulons. Qu'il nous remplisse, qu'il accomplisse ta volonté dans nos vies. Que le Saint-Esprit puisse te glorifier, Seigneur, dans nos vies, dans l'assemblée de l'Église, de tous les enfants de Jésus-Christ, soleil de la vie.
Que le Saint-Esprit soit présent pour nous renouveler, pour nous changer, qu'il vienne nous donner des capacités, que cet esprit soit là pour nous amener à te craindre encore, à te servir, à t'aimer encore. Que le Saint-Esprit répande une joie parfaite dans nos cœurs de savoir que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour toi Jésus, c'est pour ta gloire. Que le Saint-Esprit puisse se manifester et qu'il accomplisse la grandeur de l'Éternel. Cher Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables sans toi. Nous ne valons rien sans toi. Voilà pourquoi nous t'appelons, nous demandons à ce que toi tu puisses nous revêtir de ta force, de ta grandeur, de ta puissance. Que tu puisses nous emmener, notre Dieu, là où tu veux que nous soyons avec Dieu, dans tout ce que tu veux que nous fassions avec Dieu. Que tu puisses harmoniser notre volonté à la volonté de Dieu. Que rien ne soit fait par la chair, mais que tout soit fait en esprit, parce que tu es le véritable. Cher Saint-Esprit, nous savons que tu es toujours présent et tu accomplis toujours ta volonté. Que toute la gloire te revienne, que l'honneur et la majesté soient à toi le véritable, l'incomparable Dieu. Que tu puisses nous manifester tout ce qui vient de toi et que nous puissions vivre la grandeur exceptionnelle parce que tu es l'incomparable Dieu. Merci de nous saisir par ta grâce et d'accomplir ta volonté parfaite parce que tu es le roi éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Pendant que nous chantons, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas adorer Dieu. Si tu peux chanter là où tu es à la maison, chante. Mets-toi dans l'attitude d'un adorateur. Dis à Dieu ce qu'il est. Proclame ce qu'il est. Ne laisse pas passer cette occasion. Tu ne sais pas, peut-être que c'est aujourd'hui que le Saint-Esprit veut te toucher, que Dieu veut te toucher. Peut-être que c'est aujourd'hui que Dieu veut faire quelque chose de grand dans ta vie. Laisse que tu sois disposé. Pendant que nous chantons, toi tu vas commencer à élever le nom de Dieu. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que Dieu t'approche quand je t'adore. Des cieux, tu peux m'entendre.
Seigneur, tu es au contrôle de tout. Toi, tu maîtrises tout. Rien n'échappe à ton contrôle. Tu es le Dieu merveilleux qui accomplit des grandes choses. Le Dieu merveilleux qui est toujours là. Face aux situations, face aux tempêtes, face à tout ce qui peut se lever contre nous. Toi, tu es là. Nous n'avons pas à craindre la crainte de notre Dieu. Nous ne craignons rien du tout parce que nous savons que tu es au contrôle. Toi qui es le Dieu véritable qui est avec nous, Père éternel. Quand les tempêtes s'élèvent, notre Dieu, tu te montres et tu fais des grandes choses, Seigneur Dieu de gloire. Nous n'avons pas la crainte parce que nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et rien ne nous fera du mal. Rien ne nous fera du mal parce que toi tu es là, prêt à changer nos vies. Ou autre chose, toi tu es là, capable d'opérer ta volonté, capable d'opérer ta grandeur. Tu es là toujours, notre Dieu, pour nous faire du bien, pour manifester ta volonté, pour agir, notre Dieu, pour accomplir ta grandeur. Tu es le véritable Dieu, tu contrôles toutes choses, les maîtres des temps et des circonstances. C'est toi l'incomparable Dieu. Avant que quoi que ce soit n'arrive, notre Dieu, toi tu es présent, notre Dieu, tu nous précèdes, notre Dieu, en toutes choses, et tu fais des grandes choses, notre Dieu. Tu accomplis toujours ta volonté. Toi qui es le tout-puissant. Toi qui es merveilleux et grand. Toi l'incomparable et le véritable. Merci pour tout ce que tu es. Toi qui seras toujours notre Dieu. Qui sera toujours notre Seigneur. Qui sera toujours notre roi. Qui accomplira toujours ta volonté parfaite. Et qui manifestera ta puissance. Souviens-toi de l'église. Souviens-toi de mon frère, de nos frères. Souviens-toi de tous ceux qui sont notre Père éternel. Que nous puissions vivre des grandes choses venant de toi. L'incomparable Dieu. Toi le seul qui est capable d'opérer tout ce qui est à ton pouvoir. Parce que tu es le véritable Dieu. Parce que tu es digne. Reçois la louange, notre Dieu. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'honneur, Papa. Parce que tu es le seul. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est égal à toi. Et nous voulons que ce soir encore, notre Dieu, que nous puissions expérimenter des grandes choses venant de toi. Alléluia. Merci Seigneur de gloire, nous te disons merci parce que tu es là, toi qui fais ton bon nombre de chemins avec nous. Tu es un Dieu parfait, un Dieu merveilleux. Nous voulons très Dieu, Papa, que tu puisses encore une fois de plus nous parler. Que tu disposes nos cœurs, notre Dieu, afin que nous puissions écouter ta pensée, ta volonté. Manifeste-toi pendant ces instants, pendant ces temps. Et que nous puissions vivre ce qui vient de toi. Cher Saint-Esprit, glorifie Christ au milieu de nous et manifeste ta grandeur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Ton peuple est là. Parle, Seigneur, et ton peuple écoute. Dis quelque chose. Ton peuple a soif et attend. Agis. Ton peuple veut vivre ta main. Béni sois-tu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais que là où nous sommes, que nous puissions acclamer le Seigneur. Parce qu'il est un Dieu qui mérite la louange et l'adoration. Chaque fois que nous acclamons pour lui, que nous crions pour lui,
Il est là pour manifester sa volonté. Que ce Dieu soit loué. Au nom de Jésus. Amen. Ok, nous sommes dans notre journée d'introduction où nous sommes en train de partager ce grand thème qui est la maturité spirituelle. Et je sais que là où tu es, là où chacun de nous se trouve, il est sous la puissance de l'Esprit qui va parler. Et nous voulons faire le travail selon ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur, juste pour introduire ces messages. Nous aurons l'intervention du pasteur Serge qui interviendra chaque dimanche. Et j'aimerais que nous puissions être prêts pour écouter ce que Dieu va nous apporter. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que je connais la Bible, non, mais c'est sa grâce qui a permis que je puisse être celui qui va ouvrir ou introduire ces messages. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à aller dans le livre de Luc. Nous allons lire Luc 8, du 1er au 15e verset. Mais ce qui va plus nous intéresser, c'est à partir du verset 5. Mais nous allons partir du 1er verset jusqu'au verset 15. Et j'aimerais que chacun de nous prenne sa Bible pour qu'ensemble nous puissions connaître quelle est la pensée de Dieu. Et si nous avons trouvé, je vais lire au nom de Jésus. Luc chapitre 8, du 1er au 15e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de ville en ville et de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ou annonçant, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. La grande foule s'étant assemblée et de gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Et les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent, « Ce que signifiait cette parabole ?» Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin que voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croissent et soient sauvés. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent s'étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent
à maturité. Ce qui est tombé dans la terre, la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Parole du Seigneur. Comme je disais tantôt, nous allons introduire juste notre thème que nous aurons ce mois, qui est la maturité spirituelle. Qu'entend-on par maturité? La maturité veut dire amener à la perfection. La définition simple, amener à la perfection. Pour nous qui sommes humains, la maturité veut dire amener, nous amener à la perfection. Donc c'est là qu'on dira que nous avons atteint la maturité. Et il y a aussi les fruits qui peuvent aussi atteindre la maturité. Mais pour nous humains, je répète encore, c'est de nous amener à atteindre la perfection. Alors, je vais encore définir les mots spirituels. Les mots spirituels, c'est ce qui est de l'ordre de la croyance religieuse ou chrétienne, comme nous le sommes, nous l'avons, nous, en rapport avec la vie de l'âme. Ce qui est à l'ordre de la croyance chrétienne ou religieuse en rapport avec la vie de l'âme. Spirituel veut aussi dire ce qui est de l'ordre de l'intelligence et de la morale. Alors nous parlons de la maturité spirituelle. Ici le Seigneur parle, si nous montons au premier verset, la Bible dit: il allait de ville en ville, de village en village, annonçant la parole, prêchant la parole. Le but pour lequel Christ est venu sur la terre, c'était pour ramener tout ce qui était perdu. Tout ce qui était mort par le péché. Et comment quelqu'un peut se repentir? S'il n'entend pas la parole de Dieu, ou s'il n'écoute pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre écouter et entendre. On commence par écouter, mais pour entendre, c'est saisir le sens, mais spirituellement. Jésus allait de village en village, de ville en ville, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Raison pour laquelle il est venu sur la terre, c'était pour toi et moi, pour que nous ayons la vie. C'est comme un bébé qui naît. Il commence tout petit. Comme j'ai l'habitude de dire, tout ce qui est grand aujourd'hui a commencé un jour petit. Nous sommes nés, nous étions des bébés. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons plus de notre vie de bébé. Parce que nous avons déjà tapé et passé cette étape. Pourquoi Jésus prêchait la parole? C'était pour ramener les cœurs des gens à lui, pour faire en sorte que nous puissions connaître Dieu. S'il parlait du royaume de Dieu, c'est pour que nous puissions connaître mieux ce qui se passe dans le royaume de Dieu et pouvoir vivre des choses comme Dieu le veut. Nous étions perdus. Chacun de nous ne savait plus quoi faire, que faire pour retourner dans sa vie originelle. Mais Dieu avait une solution. Parce que c'est un papa qui a toujours des solutions en réserve. Et il a fait. Il nous a ramenés à lui par Jésus. Et là, dans ces récits, on nous parle de Jésus qui parcourait les vies des villes, des villages, des contrées pour annoncer l'évangile parce qu'il savait que les gens en avaient besoin. Mais il n'était pas seul. Il était accompagné de ses 12 disciples. Mais à côté, il y avait aussi des femmes. À côté, il y avait aussi une immense foule qui les suivait pendant qu'ils prêchaient. Et c'était des personnes, pas les moindres, mais des personnes connues.
quand on nous parle par exemple de Jeanne, la femme de Susa, l'intendant d'Hérode. Donc c'était une haute personnalité. Mais ceux-là les suivaient. Non seulement qu'ils les suivaient, mais ils mettaient aussi leur bien pour l'avancement de l'évangile. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons servir Dieu avec nos biens. Ces femmes les faisaient. Et pendant qu'il parlait, vint devant lui une très, très, très grande foule. Des gens venus de plusieurs contrées. Parce qu'ils aimaient écouter le Seigneur parler. Mais là, le Seigneur va maintenant s'adresser à tout ce qui était là, à son auditoire. Il commence à leur parler du semeur et de la semence. Il commence à leur faire voir cette parabole. Mais pourquoi, après avoir annoncé cette parabole, et pourquoi il est parti par ces paraboles? C'est parce qu'une parabole, par définition, est un procédé de comparaison qui consiste à comparer un objet à un autre qui a des caractéristiques similaires. Ça veut dire que c'est un procédé, en fait. Je vais dire quelque chose, mais je vais prendre par exemple une histoire pour pouvoir expliquer ce que je vais dire. Mais quand tu verras l'histoire et ce que je vais dire, tu verras qu'il y a une similarité. C'est ça une parabole. Alors si vous descendez avant que nous puissions partir là-bas, quand les disciples ont demandé au Seigneur, après leur avoir parlé de la semence et du semeur, les disciples étaient quand même curieux de savoir, mais qu'est-ce que signifie cette parabole? Parce qu'il y avait une grande foule qui normalement était là et devait comprendre la parole de Dieu. Mais j'aime ici la réponse du Seigneur. Il répondit au verset 10, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. C'est-à-dire une parabole vient premièrement pour que nous qui sommes fils, qui sommes habitués à connaître les mystères du royaume de Dieu, nous puissions, n'est-ce pas, saisir ce que le Seigneur veut dire. Mais quand il parle des autres, il parle de ceux qui ne sont pas de lui, de ceux qui ne viennent pas à lui avec un cœur, avec leur cœur, qui peut-être sont dans les églises comme des chrétiens, mais leurs pensées sont ailleurs. Leur cœur est ailleurs. Ils sont eux-mêmes assis sur le trône de leur cœur. Christ n'a pas le droit. Il dit pour cela, il leur parle en parabole et s'arrête là. Mais pendant qu'il parlait en parabole, à chaque fois, il parlait à la foule tout entière. Et les disciples compris en parabole. Mais quand il s'est retiré en secret avec eux, il leur expliquait ce que voulait dire cette parabole. Et là, vous allez remarquer que ce sont les disciples qui lui ont posé la question. Ils lui ont demandé de savoir ce que signifiait cette parabole. À eux, Dieu pouvait leur expliquer, Jésus pouvait leur expliquer ce que cette parabole disait, mais à la foule, il n'a pas dit. Donc, il dit, puisqu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils ne comprennent point. Alléluia. Et le Seigneur va se mettre à leur expliquer la parabole. Donc, si nous voyons le verset 5, la Bible a dit, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et maintenant, pour expliquer cette première partie, il va
au verset 11 et 12, va leur dire, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui l'entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur cette parole. Pour quel but? Pour qu'ils ne croient pas et qu'ils soient sauvés. J'aimerais nous dire une chose, bien-aimés. Il n'y a qu'une chose qui peut changer nos vies. Il n'y a qu'une chose qui peut transformer nos vies. Cela se trouve être la parole de Dieu. Maintenant, quand nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? La parole en nous, tout de suite, elle part. C'est pourquoi ici, le Seigneur pouvait dire, cette semence semée tomba le long du chemin. Donc la parole, quand elle vient, il y a des gens qui ne la reçoivent pas. Bien qu'elle soit puissante, les gens ne la reçoivent pas. Les gens la négligent. Et on nous parle des oiseaux du ciel qui viennent la manger. Mais quand on parle des oiseaux du ciel qui viennent manger cette semence, ça c'est ce que l'ennemi essaye toujours de faire. Le but de l'ennemi, c'est de nous empêcher de connaître la volonté de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu. Parce que l'ennemi sait que si nous croyons en Jésus, nous serons sauvés. Mais pourquoi? Il faut écouter la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Pendant la parole de Dieu, nous voyons des gens dormir. Il y en a certains qui sont occupés à autre chose. Et aujourd'hui, comme nous avons nos téléphones qui ont des crédits, et même à l'église, pendant qu'on prêche, il y a des gens qui consultent leur téléphone. C'est juste pour que nous ne puissions pas croire. Parce que nous ne saurons croire réellement en Christ, être sauvés, si nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Il leur dit encore, une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Donc, la parole dont nous parlons, c'est cette semence qui, quand elle vient à nous, finit par produire du fruit. Mais ici, on nous parle qu'une partie de cette parole tomba sur les rocs. Combien aujourd'hui ont des cœurs en pierre? Ils ne sont pas enracinés parce que la parole de Dieu, quand elle vient en eux, elle ne trouve pas où s'asseoir pour germer, pour donner du fruit. Quand on parle des rocs, on voit quoi? Des endroits rocailleux, dans d'autres termes, ou des endroits où il y a plein de pierres. Même si tu jettes une bonne semence, cette semence ne produira absolument rien. Donc les cœurs de beaucoup de gens aujourd'hui ressemblent aux rocs ou à des terrains rocailleux où la parole ne peut pas germer. Alléluia. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit. Pour vous à qui il a été donné de connaître les mystères. Mais combien d'entre nous qui nous appelons chrétiens, nous avons des cœurs endurcis. C'est pourquoi la parole de Dieu dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La parole de Dieu est tellement puissante qu'elle ne peut pas nous laisser dans notre état d'avant. Quand la parole de Dieu vient et entre dans une vie, la parole de Dieu change cette vie. Combien d'entre nous, nous fermons la porte à la parole, nous mettons des barrières pour que la parole ne tombe pas. Quand on a dit quelque chose de vrai qui me concerne, je ferai tout pour ne pas fuir ou faire tout pour ne pas écouter. Certains d'entre nous, peut-être qu'ils dorment pendant les cultes, dans la présence de Dieu. Nous endurcissons nos cœurs pour ne pas entendre la voix de Dieu, pour ne pas entendre la parole de Dieu. Alléluia.
Ceux qui sont sur les rocs sont ceux que lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. On le voit aujourd'hui. Les gens, quand il y a la parole, amen, amen. Ils reçoivent cette parole avec joie. Mais comme ils ne sont pas enracinés, comme la parole ne peut pas percer, pénétrer leur vie, ils ne croient que pour un temps. Après, rien n'est fait. Et ils succombent au moment où la tentation se présente. Comme ils n'ont pas de racines, comme ils n'ont pas de souches, ils finissent par succomber face aux tentations. La Bible continue, elle dit, une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par des soucis, des richesses, des plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Tu entends une bonne parole, une parole qui touche ton cœur. Mais lorsque tu sors cette parole, tu l'acceptes, tu la reçois, tu crois en elle, mais tu l'étouffes. Par quoi? Par des soucis du siècle présent. Parce que je n'ai pas d'argent, parce que je n'ai pas de mari, parce que je n'ai pas de travail, parce que je n'ai pas réussi. Toujours des excuses pour esquiver la parole de Dieu. Tu commences à élever tes problèmes, tes soucis plus que la parole de Dieu. Il n'y a qu'une chose qui peut faire en sorte que nous soyons grands, que nous puissions avancer avec Dieu. C'est quand nous laisserons la place à la parole de Dieu, en oubliant nos soucis, en oubliant nos fardeaux. Il a dit dans sa parole, déchargez vos sur moi de tous vos fardeaux, vos soucis. Moi, je vous donnerai un jour qui soit léger. Parce qu'il sait que l'homme ne peut pas supporter des peines. Des fois, quand nous sommes dans des moments d'épreuve, nous oublions la parole de Dieu. Or, c'est la parole qui doit nous fortifier. C'est elle qui doit demeurer et rester en nous. Alléluia. Une autre partie de la parole tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent des fruits avec persévérance. Il faut que nos cœurs soient des terres fertiles. Des terres où la parole de Dieu va germer. Quand on parle d'une bonne terre, c'est une terre assaisonnée. Une terre préparée. Lorsque la semence tombe dans cette bonne terre, elle ne manque pas de produire. Elle ne manque pas de produire. Mais combien d'entre nous, nous ne voulons pas préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu? La Bible dit, ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Un cœur honnête et bon. Bien-aimé, si tu veux atteindre la maturité spirituelle, tu as besoin d'un élément capital. Cet élément se trouve être la persévérance. Quand tu écoutes la parole de Dieu, chaque serviteur qui parle, avant les gens pouvaient s'excuser. Non, je n'ai pas écouté la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, comme nous le faisons maintenant en ligne, tu as la possibilité d'aller sur YouTube, trouver un homme de Dieu qui partage une bonne parole. Partout où tu passeras, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, tu trouveras toujours une prédication. Quelqu'un qui parle du royaume de Dieu.
C'est pourquoi j'aimerais te dire, il faut que ton cœur soit un cœur honnête, un cœur bon, prêt à recevoir la parole de Dieu, prêt à la mettre en pratique. C'est-à-dire recevoir, retenir et mettre en pratique. Celui qui est mature spirituellement, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, qui n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui, lorsqu'il entend la parole de Dieu, la retient et la met en pratique. Si la parole est lieu domicile dans ta vie, que la parole rentre en toi, si la parole réside en toi, on le verra par des fruits de tout ce que tu poses comme acte, des paroles qui sortent de ta bouche, par où tu passes, de ce que tu fais au quotidien. On saura réellement que la parole de Dieu est en toi. Ce que Dieu veut, c'est que ton cœur soit honnête, ton cœur soit bon, et toi-même tu dois être persévérant. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les temps que tu peux passer, quelles que soient les situations qui peuvent se présenter devant toi, mais tu dois savoir une chose, que la parole de Dieu, quand elle descend, c'est une parole de Dieu. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce à quoi elle a été envoyée. Et mais toi qui la reçois, tu dois t'en accaparer, tu dois saisir cette opportunité et faire la volonté de Dieu. La maturité ne viendra que quand tu seras persévérant. La maturité ne viendra que quand tu prépareras ton cœur, prêt à recevoir la parole de Dieu et la mettre réellement en pratique. Mais si tel n'est pas le cas, tu seras appelé chrétien comme tout le monde. Et j'irai même à dire, excusez-moi le terme, tu seras, au lieu d'être chrétien, tu seras crétin. Alors que Dieu veut que tu sois chrétien, mais toi tu seras crétin. Excusez-moi l'expression. La parole de Dieu, elle est une force. La parole de Dieu change. Si tu veux grandir, être mature spirituellement, tu dois passer par cela. Travailler ton cœur. À chaque fois que tu vas écouter la parole de Dieu, tu vas dire à Dieu, parle-moi, donne-moi ma nourriture d'aujourd'hui. Si un enfant ne mange pas, comme dans des pays où il y a des famines, tu verras que la santé de cette personne ne sera pas bonne. C'est ainsi que cela se fait dans le spirituel. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous devons voir ce qui se passe dans le monde pour comprendre que si il y a des gens qui perdent leur santé parce par faute de nourriture, et nous avons une nourriture spirituelle solide qui est la parole de Dieu. Mais pour la recevoir, nous devons être préparés, recommander nos cœurs à Dieu et nous dire à Dieu de nous utiliser et de nous faire du bien. La maturité ne viendra que quand tu commenceras à considérer la parole de Dieu, qu'elle est puissante pour toi, au lieu de regarder tes soucis, au lieu de regarder tes problèmes. Dieu peut te donner ce que tu manques, mais si tu manques Dieu, rien dans le monde ne pourra te donner ce que tu cherches. Dieu peut te combler de bénédictions, mais rien dans le monde ne te donnera ce que Dieu a. Prépare ton cœur. Sois honnête et bon. Quand tu retiens la parole de Dieu, ce n'est pas seulement d'écouter, de dire, ah, c'était une bonne parole. Il a bien prêché, oui, bien prêché. Mais c'est quoi les résultats dans ta vie? Il faut qu'on voie les résultats de cette parole qui touche ton cœur. Celui qui est touché est changé. Si on a cité ces femmes qui ont suivi Jésus, si on a cité, on a dit que ses disciples étaient avec lui, cette foule qui les suivait, parce que beaucoup avaient vu la puissance de la parole. Ils ont vu des miracles par la parole. Et la parole est capable de changer ta vie. Tu as besoin de la maturité spirituelle. Ne reste pas un bébé éternel spirituellement, qui n'aime que boire du lait, mais commence à manger de la nourriture solide. Donne du temps à Dieu. Consacre-toi. Donne ton temps à Dieu. Et ce temps que tu donnes à Dieu, Dieu te la remettra. Vous savez, Dieu a dit, la loi de la semaille et de la moisson ne passeront pas. La loi de la semaille et de la moisson. Ici, nous avons vu que les semeurs, c'est Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est Jésus. Quand Jésus est planté dans ta vie, ta façon de réagir doit devenir comme Jésus. Si tu atteins la maturité, ta façon de parler doit revenir comme Jésus.
Même si on te frappe sur la joue droite, tu donneras l'autre. Même si on te prend tes vêtements, tu en donneras encore davantage. Même quand les gens vont te calomnier, les gens vont te critiquer, les gens vont te jalouser, les gens vont te haïr. Partout tu auras des problèmes, d'adversité, des combats, des attaques. Tu ne rendras pas le mal pour le mal. Car Dieu a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. La parole de Dieu est une arme puissante qui change des vies. Nous avons besoin de croître spirituellement, atteindre cette maturité. Un enfant qui ne croit pas, qui ne devient pas mature, sera l'objet d'inquiétude de ses parents. Et Dieu nous aime tellement tant qu'il veut que nous puissions changer. Que toute la gloire lui revienne. J'aimerais que tu gardes en toi de dire que tous tes problèmes que tu traverses, Dieu les voit et Dieu les connaît. Tout ce que tu peux endurer pendant des années, Dieu les voit et Dieu les connaît. Il n'y a que lui qui changera ta vie. Laisse ton cœur pour Dieu. Et quand ton cœur sera rempli, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tu auras en retour que des témoignages, que des choses qui vont glorifier Dieu. Que le Seigneur te bénisse pour ta participation. Moi, que ma coupe est bonne, j'ai besoin de ton feu. Remplis-moi, que ma coupe est bonne, j'ai besoin. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps passé devant toi. Merci notre Dieu parce que tu nous as amené dans cette introduction. Merci pour les cœurs que tu as touchés. Merci pour celui à qui tu as parlé. Merci pour celui qui s'est rappelé de ta parole. Merci pour celui qui a compris qu'il doit atteindre la maturité spirituelle. Parce qu'on ne peut pas rester tous les jours des bébés. Parce que toi tu nous appelles quelque part. Quand tu nous prends à un point A, tu nous amènes vers un point B. C'est parce que tu es l'alpha et l'oméga. Père, nous voulons que Dieu, que tu puisses nous aider de comprendre ta parole. Parce que tu es le roi et le véritable Dieu. Fais en sorte, notre Dieu, que nos cœurs puissent être pour toi. Ce que nous écouterons, notre Dieu, puisse être ce qui vient de toi. Et que toi, tu puisses te manifester, accomplir ta volonté, manifester ta puissance. Que ton cœur change nos vies. Que ton cœur nous touche. Que ton cœur accomplisse, notre Dieu, ce qui est dans ton bon vouloir. Parce que nous ne voulons pas conduire nos vies telles que nous voulons. Mais nous voulons les faire telles que toi tu veux que nous fassions. Parce que tu es notre Dieu. Père, nous te disons merci pour cette soirée. Pour ce que tu as fait, notre Dieu. Dans cette assemblée, Jésus-Christ, soleil de la vie. Dans la vie de tous ceux qui vont nous suivre. Que ce soit en présence tout de suite ou qu'ils vont nous suivre en différé. Père, nous savons, notre Dieu, que tu es le Seigneur, tu es le roi qui accomplit sa volonté. Père, laisse notre Dieu que rien ne puisse nous déranger, que rien ne puisse nous dépasser.
parce que toi tu es avec nous. Avec toi nous ferons des exploits. Amène-nous notre Dieu dans la maturité. Que spirituellement nous soyons forts pour savoir comprendre notre Dieu, ce que nous devons faire pour toi. Tu es celui qui ne manque jamais à un rendez-vous. Quand tu nous donnes rendez-vous, Seigneur, tu nous précèdes. Et aujourd'hui encore, tu nous avais précédé. Et tu nous précéderas encore. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ce que tu as fait. Et nous recommandons notre culte, toujours en ligne, de ce dimanche, qui sera conduit par ton serviteur Serge Malou, là où il est à Kinshasa, Père. Que tu puisses lui parler, lui révéler des choses qui vont nous aider à pouvoir grandir avec toi. Nous te recommandons cette soirée, que tu puisses dormir avec chacun de nous, que dans toutes les maisons, que tu sois présent. Si l'ennemi viendra comme un fleuve, que ton esprit le mette en fuite au nom de Jésus. Nous serons la tête et non la queue, en haut et non en bas, les premiers non les derniers, parce que toi tu es avec nous. Que ta bénédiction, notre Dieu, nous couvre. Dans ta bénédiction, il y a tout ce dont nous avons besoin. Et nous croyons, notre Dieu, que tu nous réuniras encore. Bénis nos maisons, bénis le travail de nos mains, bénis les études de tes enfants, bénis les projets, bénis nos santé, bénis tout ce qui est à nous. Au nom de Jésus. Tous les peuples disent Amen. Que les peuples de Dieu disent Amen. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur et nous croyons vous retrouver dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen.